Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc comme j'ai fait la vidéo précédente, c'était pour vous parler un peu de la bourse de la Slovaquie. Et comme j'ai un peu de temps, je vais essayer comme ça de vous montrer un peu comment est-ce que vous devez commencer et puis quelles sont les informations vraiment concrètes que vous devez avoir. Et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, vous devez avoir, si vous êtes vous voulez postuler pour la licence, vous devez avoir au maximum 25 ans. Et pour le doctorat, vous devez avoir au maximum 40 ans. Voilà, donc, on va essayer de voir un peu quels sont les documents dont vous avez besoin. Et puis, n'oubliez pas, c'est pour le master, la licence, le master et le doctorat. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés à postuler, je vous conseille vraiment cette bourse-là. Voilà, donc, si vous êtes intéressé, voilà, vous pouvez postuler. Et puis, je vais mettre le lien en commentaire ou bien en description. Vous allez voir et vous allez postuler. Ok, donc dans un premier temps, ça c'est la bourse, c'est l'interface de la bourse de la Slovaquie qui est là. C'est le gouvernement de Slovaquie. Donc si je viens dans l'application, mais d'abord je vais essayer de voir un peu quels sont les documents dont vous avez besoin concrètement. Vous pouvez voir ici, documents requis. Et dans documents requis, vous allez voir un peu, il y a un relevé du plus haut niveau atteint, le plus haut niveau d'études atteint. Voilà, donc... si vous comprenez un peu, ici on dit un certificat de fin d'études de diplôme ou un diplôme universitaire. Si un candidat a reçu le plus haut diplôme d'enseignement en dehors de la République slovaque, il est nécessaire d'identifier les signatures et les cachets de l'école sur un tel document par l'autorité de l'État qui délivre ce document ou par l'autorité de l'État où l'école est située si un traité international ou bon. Une traduction certifiée est requise de ce document en anglais, en slovaque ou bien en tchèque, en français ou en espagnol. Le document peut être joint jusqu'au 31 août. Voilà, uniquement applicable aux étudiants qui n'ont pas encore terminé leurs études au moment de la demande de bourse. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous êtes par exemple comme ça, vous voulez faire la licence et que vous avez encore votre examen de baccalauréat à faire, voilà, c'est possible de postuler jusqu'au 31, voilà, jusqu'au 31 août, vous pouvez postuler à ça. Et vous avez vu que les documents, si vous pouvez traduire les documents en ces langues-là, seulement si, par exemple, comme ça, vous avez un document qui est en russe, vous traduisez en espagnol, ou bien en français, ou bien en anglais, ou bien en slovaque. Voilà, donc, tous ceux qui ont le document en français, vous pouvez les télécharger directement sans traduction. Voilà, donc, ça, c'est le diplôme. Après cela, il y a un certificat d'achèvement. Le certificat d'achèvement, bon, les résultats de chaque année, du fin de secondaire, lycée, ça c'est le diplôme. Ça c'est le relevé, ça c'est le diplôme. Voilà, et après cela, on vous parle d'une lettre d'acceptation. Ça c'est pas vraiment recommandé. La lettre d'acceptation c'est pour ceux vraiment qui ont... Ici on dit une lettre d'acceptation de l'université publique slovaque. Si ceci n'est requis que pour ceux qui parlent la langue slovaque. Donc ceux qui sont déjà conduits d'abord en Slovaquie, voilà, vous devez apporter une lettre d'acceptation de votre université. Donc ça ne concerne pas vraiment les étudiants internationaux. Et ici on a quoi? On a certificat de naissance. Voilà, ça c'est l'extrait d'acte de naissance. Il peut être en français, en anglais, en espagnol ou bien en slovaque. Donc vous voyez un peu les langues qui sont demandées. Ce sont les langues qui sont là: slovaque, tchèque, il y a anglais, il y a français ou espagnol. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents. Seulement les documents sont en arabe. Si les documents sont en arabe ou bien en russe, voilà, ou bien une autre langue que les langues qui sont citées là, en italien et tout ça, là, vous devez traduire en anglais ou bien en français ou bien en espagnol ou bien en tchèque. Ok, donc une photo ici. Donc ça, ce sont les documents que vous devez mettre en ligne, une photo. Et ici, il y a une recommandation, deux lettres de recommandation, comme je vous avais dit dans la première vidéo. Si vous postulez pour un baccalauréat, vous devez joindre deux recommandations d'enseignants de secondaire, ou deux, si vous postulez pour une maîtrise ou un doctorat, vous devez joindre deux recommandations de professeurs d'université. Donc pour les baccalauréats, vous devez avoir deux professeurs de lycée. Pour les universitaires, vous devez avoir deux professeurs d'université. Donc une fois que vous finissez, vous devez mettre votre CV et une lettre de motivation. Et après ça, les ouvrages, ça concerne un peu ceux qui sont en doctorat. Voilà, détail bibliographique de vos études, de vos activités et publications. Veuillez spécifier le nom. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, en fait ici, vous devez au moins écrire une publication, c'est-à-dire les thèmes sur lesquels vous avez déjà soutenu et tout ça. Voilà, donc
ce que vous allez soumettre ici, ce n'est pas, ça, cela ne signifie pas que vous allez soumettre lorsque vous allez finir, vous allez soumettre le même thème lorsque vous allez finir comme ça de vos études de PhD, de doctorat. Voilà, donc ce n'a vraiment rien à voir, seulement vous devez soumettre quelque chose. Voilà, donc ici, après cela, on a le passeport. Donc, je vous rappelle que pour cette bourse-là, vous pouvez postuler aussi avec la carte d'identité, mais seulement que c'est le passeport qui est prioritaire. Une copie des pages d'un passeport, document de voyage contenant les données personnelles du titulaire. Donc, vous pouvez utiliser aussi la carte d'identité, mais vous serez relégué au second rang. Donc, n'oubliez pas cela. Ok, après cela, il y a quoi? Il y a une demande à signer. C'est-à-dire, lorsque vous avez fini de faire tout ça, voilà, lorsque vous allez remplir vos éléments, vous allez tirer la fiche, vous allez signer cela et vous allez remettre encore sur le site comme. Lors de l'inscription ou bien de la candidature de la bourse de Russie. Voilà, vous voyez un peu la bourse de Russie. Lorsque vous finissez de faire tout, vous tirez, vous signez et vous remettez. Donc ici aussi c'est la même chose. Lorsque vous allez finir, vous allez tirer, vous allez signer. Ici on dit imprimer le PDF du formulaire de candidature rempli que vous trouverez dans votre compte. Section 1. Candidature sous le nom de document. Signez la dernière partie intitulée confirmation. Et joignez-en le scan. Voilà, vous pouvez, c'est-à-dire vous allez comme ça essayer de réunir tous ces documents-là avant de pouvoir postuler. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut postuler. Et surtout pour ceux qui veulent qu'on postule pour eux, pour ceux qui veulent demander nos services, voilà, vous pouvez regarder en description. Il y a nos contacts, vous pouvez nous joindre là-bas. Et on va essayer de se comprendre et essayer de postuler pour vous. Ok, donc maintenant on va aller voir comme ça comment est-ce qu'il faut postuler et tout ça. Donc pour pouvoir postuler, je viens dans l'application ici, application. Donc je clique sur application. Ok, donc ça traduit en français. Si vous souhaitez soumettre une nouvelle demande ou modifier une demande complétée, veuillez nous contacter. Veuillez vous connecter. Si vous n'avez pas encore de compte, d'abord, dans un premier temps, on va créer un compte. Et lorsqu'on finit de créer un compte, on va cliquer sur la page inscription. Et on va remplir nos coordonnées dans cette partie-là. Comprenez un peu. Donc, ici, on nous dit quoi? On nous dit pour l'année académique 2023, il est possible d'envoyer une candidature par voie électronique au terme du 25 mars au 30 mai. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du 30 mai, tout est déjà bouclé. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore fini de faire leur cours, c'est-à-dire ceux qui sont en licence 3, qui veulent postuler pour le master, ceux qui sont en master 2, qui veulent postuler pour le doctorat, ou bien ceux qui sont en terminale, qui veulent postuler pour la licence, vous avez jusqu'au 31 août 2022. Mais ceux qui ont déjà leur diplôme et tout ça, vous devez postuler et votre date limite, c'est le 30 mai 2022. Voilà, donc ça sera à vous de voir. Donc pour pouvoir postuler, je crois que c'est assez plus simple ici. Donc vous allez cliquer sur inscrit, inscrit ici. Voilà. Et de là-bas, vous allez d'abord vous inscrire sur le site. Et ainsi, aussitôt, vous allez aussi essayer après de postuler normalement. Ok, donc on va essayer de le faire ensemble. Ici, le mail. Après le mail, ici, le mot de passe. Vous pouvez vérifier le mot de passe, votre nom. Vous pouvez saisir votre nom, votre prénom et votre nom de famille ici. Ok, après, c'est s'inscrire. Donc, je crois que ce formulaire-là est un peu plus simple. Donc, vous allez mettre ici, un instant que je mette en français, mon clavier, son clavier russe. Donc, moi, c'est quoi? C'est mon bourse, ok. Et le mot de passe, vous allez choisir un mot de passe. Ok, donc veuillez entrer un mot de passe d'au moins 8 caractères et contenant au moins un chiffre et une lettre. Voilà, donc ça, vous savez déjà comment ça se passe. Si vous voulez, si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, vous connaissez ce mot de passe là, mais sachez au moins retenir ce mot de passe pour ne pas vous créer des problèmes après. Voilà, maintenant, si vous ne voulez pas, vous pouvez créer vous-même votre mot de passe, ce n'est pas un problème. Donc, je vais créer mon mot de passe un peu rapidement. Ici, je prends une lettre majuscule d'abord. Donc, je prends mon mot de passe, au moins 8 caractères. Donc, je vais. Ok, il finit, je vais vérifier un peu rapidement. Je reprends encore ici.
Ok. Donc le nom, je vais prendre un nom comme ça. Le prénom et le nom de famille ici. Ok, donc une fois que vous finissez, qu'est-ce que vous faites? Vous allez cliquer sur s'inscrire et vous allez vous inscrire. S'il y a un souci, ils vont vous dire, voilà. Donc ici, on me dit comme ça que vous avez été enregistré avec succès. Vous recevez un email de confirmation. Vous pouvez vous connecter à l'application après l'avoir, après activation du compte. Donc vous comprenez que c'est la même procédure. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se rendre sur notre plateforme, c'est-à-dire la plateforme de Gmail. En ce qui concerne notre email, on va aller voir le message qu'on a reçu et essayer de confirmer. Donc je viens dans mon mail ici. Donc n'oubliez pas, c'est très important, je répète encore, ceux qui n'ont pas de passeport, ils peuvent postuler avec la carte d'identité, mais sachez que vous serez relégué au second rang, c'est-à-dire c'est d'abord ceux qui ont les passeports et après c'est vous. Donc je vais dans mon mail comme ça pour voir un peu le message que j'ai reçu et de là-bas je vais cliquer sur le lien pour pouvoir repartir sur le site. Je crois que c'est ici, j'ai un nouveau message ici. Donc je viens là. Ok, donc you have been registered at that one. Before the first login, please click on the activation link to activate your account. Donc ici, je vais cliquer sur ce qui est là, ça va me renvoyer directement sur le site et me dit directement que mon compte a été activé. Donc si vous regardez ici, ici on dit your account has been activated, you can login now. Donc maintenant, je peux aller sur le site et essayer de postuler normalement et essayer de mettre mes données et tout ça. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais faire une vidéo tout à l'heure pour vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut postuler et puis comment est-ce qu'il faut mettre les documents en ligne. Et à tout à l'heure, les gars.